Et bonjour à tous, ici Bardani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons le let's play de la démo de Enshrouded avec l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises. Alors, dans l'épisode précédent, on avait trouvé une petite racine de la brume au sud, on avait fait le sanctuaire de la flamme. D'ailleurs, j'y suis allé faire un petit tour quand je me suis reconnecté et j'ai pu de nouveau ramasser une étincelle. Voilà, donc si ça se trouve... Juste en spammant les déconnexions, reconnexions, il y a peut-être moyen de farmer les étincelles. Je sais pas. Mais en tout cas, j'en ai trouvé une deuxième alors que je l'avais déjà récupérée dans l'épisode précédent, si je ne dis pas de bêtises. On était également tombé pas loin ici, près d'une crypte avec des araignées et plein d'eau tombes. Bref, c'est là où on a pu farmer plein d'os et récupérer des blocs en os aussi. Et du coup, on s'était arrêté après avoir découvert l'obélisque. Donc, ce que nous allons faire, on a vu quasiment toutes les mécaniques du jeu, je pense, enfin, celles que propose la démo. Il ne reste plus qu'à faire de l'exploration. On va partir ici, voir quel est ce point d'interrogation. Ensuite, nous allons aller sur la droite pour visiter les ruines. Les petites ruines qu'on avait vues quand on était à la tour des anciens. Donc, on va faire ça. Et je me suis aussi amusé à placer un petit hôtel avec l'établi, histoire de tout réparer facilement, de me re-téléporter ici facilement. Maintenant que j'ai passé mon établi niveau 2, je crois que je peux poser 4 établis, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Capacité d'activation de l'hôtel, je suis à 4. Donc c'est vraiment très pratique, ça fait plein de petits points de téléportation à droite à gauche. J'ai une maison ici, enfin une maison. Un sanctuaire de la flamme ici, celui du début. Et donc, encore plus rapide que se téléporter à la tour. Et ensuite de partir en planeur. Bon, sur ce, c'est parti. Allons voir quel est ce petit point d'interrogation. Déjà, nous sommes sur un chemin. Est-ce que ce chemin mène quelque part? Y a-t-il un lieu après? Par contre, je suis niveau combien là? Je suis toujours que niveau... Où est-ce que je vois les niveaux? Personnage. Je ne sais plus. Comment on voit quel niveau on est? Niveau 4. Ah, je suis que niveau 4. Ouais. La tristesse. Je n'ai pas de point de compétence à débloquer. Ah! Des bandits. Et lui, il s'est pris. Il a marché dans son propre piège. Ah, j'ai plus de flèches. Quoi, j'ai plus de flèches? Non. Voilà, petite parade, attaque impitoyable et bim! Et lui, il nous tire dessus, c'est le gars à distance. Parfait. De la ferraille. Ouais, donc le bandit a marché dans son propre piège. Le débilus. Ça nous a bien aidé. Et du coup... Oh. Planque de maraudeur. Le coffre goldé. Ça, il me semble, c'est toujours... Oui, c'est la lame gémissante. Hop. Nouvelle page d'histoire, cachette de maraudeur. Donc en fait, si je ne dis pas de bêtises, dans une précédente partie, c'est le forgeron qui m'a donné une quête et il m'a dit « j'ai caché une arme puissante par ici ». Et en fait, il s'agit toujours de la même arme. Donc ici, dans ce coffre, vous aurez toujours la lame gémissante. Et petite épée niveau 3 légendaire. Bon, malheureusement elle est que niveau 3. Voilà, elle fait moins de dégâts que mon épée rudimentaire. Même si je peux l'améliorer beaucoup plus hein. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, je peux gagner 10 points de dégâts si je l'améliore à fond. Donc je passerai à 24. Alors qu'elle, je peux même pas l'améliorer une seule fois quoi. Donc en vrai la lame gémissante,
On pourrait essayer de se la passer level max, hein. Niveau 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. On peut essayer de se faire ça et de voir à quel point l'épée tape fort. Bah vous savez quoi, étant donné que j'ai la maison juste ici. Ah, et c'était ça le petit point d'interrogation? Ok. Ah bah parfait. Je vais faire quand même un petit tour dans la zone. Voir, non, ça on avait déjà vu. Ça c'est la planque de l'alchimiste. Sûrement Balthazar l'alchimiste, hein. Ce ne serait pas idiot qu'il se soit lui-même mis dans une capsule de cendre pour se sauver. Hein. Je rappelle, Balthazar l'alchimiste, c'est lui qui a créé les capsules de cendre, donc... Ce serait dommage que ce ne soit pas lui. Ok, et ça c'est ce qu'on veut explorer après. Ah, qui m'a aggro? C'est vous. Ah bah, vous partez. Aïe. Oulala. Oulalala. Je suis tombé d'un petit peu haut. Et lui, il m'a vu. M'as vu? Non, tu m'as pas vu. Est-ce que je peux me téléporter? Ok. Bon, j'étais sorti du combat, donc j'ai pas pu voir si on pouvait se téléporter pendant un combat, mais... Très bien, très bien. Ah, il y a le forgeron qui veut nous parler. Est-ce qu'il nous reste des runes? Je regarde si j'ai des runes dans un coffre. Non, c'est toutes les runes que j'ai. Très bien. La lame hurlante. Ah bah voilà, c'est ça. Je crois. Vous revendiquez la lame hurlante? Je l'ai forgée pour sa poigne avant qu'elle ne me laisse. Bien, vous pouvez l'utiliser à sa place. Transpercer le cœur de la brume sans de flammes, c'est ce que ma fille aurait voulu. Ok, je crois qu'il nous dit ça parce qu'on a justement trouvé son arme. Son arme qu'il avait forgée pour sa fille. Est-ce que sa fille est vivante? On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Non. Je veux parler au forgeron. Je veux améliorer cette lame. Donc là, on est 14 de dégâts. Donc si j'améliore, on passe à 16. Plus 3. Ah, c'est plus 3. 17. 19. 20 de dégâts. Et ensuite, oh là là, le plus 4. Oh là là, le petit plus 4. Mais j'ai plus de runes. Sauf si... Après j'ai plus de flèches. Ah, faut que je crafte des flèches. C'est vrai. Tac tac tac. Pour mon arc. J'ai pas mis de flèches dans un coffre à tout hasard. Hein. Non. J'ai pas fait ça. Hein. Ok. Alors, comment je crafte des flèches? Tac tac tac. Flèche en bois. Il faut des brindilles. Vas-y. Et là, on a combien? Voilà, presque 200 flèches en bois, je pense. On est bon. Hop. On remet tout ça vite fait dans les coffres. Ok. J'ai plus de runes, mais... Du coup, cette épée, on peut la jeter. On a une épée qui fait 22 dégâts, maintenant. Hop. On va la mettre... À sa place, on supprime. Et tu me donnes combien? 28. Ah bah parfait.
Voilà, on perd une baguette, mais tant pis. C'est pas grave. De toute façon, je ne joue pas trop magie. Améliorer l'équipement. Lame gémissante. Ah bah, plus 4, pourquoi c'est que plus 2 là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je comprends pas trop pourquoi il met plus 4 alors qu'à la base c'était juste plus 2 partout. Mais bon. On a une épée level. Ah, level 8, ça augmente aussi les levels. Ah, j'avais pas vu ça. Je viens de le voir. Du coup, on a passé. Notre épée légendaire était niveau 3. Elle est passée niveau 8. Ok, ok. Et quand même 22 de dégâts, alors que mon arc level 7 il en fait 11 quoi. Hop. Je fais une petite pause ici, juste histoire de regagner mon bonus de repos à 17, c'est ça, 17 minutes. Petit bonus qu'on voit toujours en haut à gauche. On va en profiter aussi pour cuire un petit peu de viande de loup. Hop. On va pouvoir se faire de bonnes grillades. Je crois que la viande de loup, ça donne un bonus de plus 2 en endurance, en point de vie. Donc je devrais avoir une très grosse barre de vie si je mange la viande de loup. Après ici c'est pas comme sur Elden Ring où la barre de vie peut atteindre la moitié de notre écran. Non, ici il y a une limite quand même. Du coup, viande de loup, manger. Et si je vérifie. Statut. Viande de loup. Ah, c'est plus 6 de constitution. Mais je suis à combien de points de vie là? 9, santé, 560. Ok, les boosts temporaires c'est 410. Ah ouais. Là j'ai 560 points de vie. Je crois qu'à la base on avait 100 points de vie de base. Et j'ai pris une compétence qui me donnait 100 points de vie encore supplémentaires. Je crois. C'est ça, oui. Votre attribut de constitution sera augmenté de 2. Du coup, de base, j'ai 200 points de vie. Là, j'en ai 5. Oh là là. Tac, tac, tac. Téléportons-nous. Hop. Et on va aller voir les ruines. On avait vu tout à l'heure. On va boire aussi un petit peu pour la régénération d'endurance. Alors, il me semble que je dois aller dans cette direction. Ouais. Et ce qui manque surtout, c'est un auto-run là. Une petite touche auto-run. Ça ferait du bien. Bonjour les chèvres, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de peau. Les chèvres qui sont une très bonne source de fourrure. Je crois que chaque chèvre donne à chaque fois 2 de fourrure. C'est vraiment très très bien. Quand vous trouvez un petit troupeau de chèvres, vous placez un sanctuaire pour vous re-téléporter là, vous farmez le troupeau, vous déconnectez, reconnectez, vous farmez la fourrure comme ça. Et hop là, voilà. Qu'est-ce que tu me voulais, le loup? En plus, l'épée, elle éclaire, elle brille dans la nuit. Et ça, c'est bien. Voilà, on ouvre la carte. On enlève la zone
La zone cachée, la zone brumeuse. Et qu'est-ce qu'on veut faire d'abord? On veut d'abord aller dans la brume ou d'abord explorer les ruines? Ou d'abord suivre ce chemin pour voir où est-ce qu'il mène? Emplacement du sort. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi une quête. Alors, le jeu qui te raconte n'importe quoi. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la démo et qu'ils n'ont pas eu le temps. En fait, il y avait une quête qui te disait oui, ici, il y a un sort éternel qui est caché. Un sort éternel qui te permettra de faire de la magie en mode infini. Enfin, je veux dire, un sort de magie qui n'est pas inconsommable. Ou genre comme une boule de feu, mais infinie, quoi. Sauf que... C'est juste des boulons de glace classiques. Ça n'a rien du tout d'un sort éternel. Donc c'est grosse, grosse déception. Mais du coup, j'avais oublié qu'il était ici. Donc au moins ça c'est fait. Ah oui, mais la zone de brume elle est très grande. Elle est très grande. On va descendre ici et on va remonter par là. Il y a déjà des... On est déjà dans des ruines en fait. Et j'entends plein de bestioles qui s'excitent. Où est-ce qu'elles sont? Où êtes-vous? Le double saut, c'est tellement génial. Pour l'exploration, le double saut... Ah! Vous êtes là. Stop, arrêtez de me prendre par surprise à chaque fois, s'il vous plaît. Oh, les sales bêtes. Par contre, je fais max dégâts, même sur des niveaux 3, là. Hop, des petits morceaux de bestioles. J'ai l'impression qu'ils sortent de là-dedans, en fait. Voilà, ça on casse, parce qu'on n'a pas envie que ça nous explose à la figure. Oh là là. Je touche pas d'ici. Ah mince, c'est vrai, j'ai pas débloqué l'attaque sautée sur ce personnage. Je voulais faire une attaque sautée, mais je l'ai pas encore. Je l'ai pas déverrouillé. Du coup. Alors, prenons un petit bandage. Hop. Voilà. Et pénétrons dans les profondeurs de cette brume. Il me reste déjà plus que 3 minutes. Petit coffre qui fait plaisir. Arc du chasseur. 10 de puissance. C'est autant que mon arc légendaire qui fait 11. Et qui est déjà amélioré au niveau max en plus. Par contre, c'est dommage que les caisses et les débris mettent autant de temps à se faire détruire par les armes. Et en plus, ça épuise bien leur durabilité. Faut vraiment que je passe sur la hache. Quand je vois que...
Je me fais bloquer par des caisses ou quoi. Non, je veux sauter, je veux aller là. Ah, ça faut faire gaffe. Faut pas aller. Faut pas marcher dedans. Ça fait très mal. Canal de guérison, des flèches. Parfait, parfait. Et le jour qui se lève en plus. Woodguard. On a gagné 150 points d'XP. Hein. L'exploration qui rapporte vraiment pas mal d'expérience. Par contre, ouais, il me reste plus que 2 minutes, donc on va commencer à sortir de la brume. Oh, mais il y a peut-être plein de trucs cachés ici. Vite, une minute. Ok, on a vu qu'il y avait un truc qui brillait là-dedans. On va juste remonter, voilà. Sortons de la brume. Mais j'ai des potions, flasque de survie à la brume, plus 2 minutes de temps maximum, vas-y. Utiliser, hop là, glou glou glou. Et on va prendre avec un élixir, hein. Augmente vos dégâts de 30%, mais réduit votre temps maximal dans la brume de... d'une minute. Et on vient de prendre une potion qui nous donnait 2. Donc. Vas-y, là, personnage et détail. Dégâts augmentés de 30% pendant 30 minutes, c'est juste super fort. Et temps maximum dans la brume augmenté. Et mais par contre, j'ai perdu aussi une minute. Mais c'est pas grave. Là, j'ai quand même 7 minutes de temps de brume. C'est pas mal. Hein. L'église a été détruite. Ah! Malédiction, le vent de la nuit dernière a mis en désordre notre église. Où ce qu'il en restait? Everett avait raison, nous aurions dû renforcer le toit avec ces blocs de pierre vieillis. Il va s'en donner à cœur joie. Je dois maintenant boucher les trous, mais je me souviens plus où j'ai placé les blocs. Je pensais les avoir vus près de l'église, mais je ne les trouve nulle part. Est-ce que mes yeux se sont fatigués avec l'âge après tout? Le gars a perdu ses blocs de pierre vieillis. Et ben on va les trouver à sa place. Et il a dit que c'était près de l'église. Et le niveau 5. Ouh là là, combien de points on a? Juste un, j'imagine. Non, deux. Je peux prendre... Je peux pas prendre l'attaque sautée. Je peux prendre 2 minutes de temps dans la brume en plus. Résistance au poison. Augmente la régénération de l'endurance de base de 50%. Vas-y, on prend rebond. Voilà, on prend un petit peu d'eau dans le puits. T'as pas ouvert de passage secret, non, rien du tout. Oh, le coffre. Boulon de glace, très bien. Ok. Est-ce que nous avons... Oh, il y a encore un coffre, mais il y a des coffres partout. Encore l'arc du chasseur. Ça va nous faire... Mais c'est bien parce que ça nous fait plein de... Plein de runes... Voilà, hop, arc du chasseur. Ouais, déjà 50 runes. Et c'est ça quelque chose que je reproche aussi un petit peu en jeu, je trouve que c'est vraiment trop facile en fait. Après, peut-être que... Encore un coffre. Oh, l'arc Wildwood, 10 de puissance, ok.
Très bien, et bah on démantèle. Je sais pas, je... Peut-être que ça va... Peut-être que c'est parce que c'est le début que plus tard, ça va se corser un petit peu. Mais... Et je trouve que, je sais pas, il y a trop de coffres. Trop de récompenses. Ça donne vraiment aussi beaucoup de runes, donc c'est vraiment très 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 facile d'améliorer son stuff. Trop facile, je sais pas. Encore un. Lueur d'espoir. Et voilà, t'ouvres un coffre lambda, paf, arme légendaire. C'est ça que je trouve quand même un petit peu bizarre. Pour moi, une arme légendaire, c'est pas censé se trouver dans un coffre au pif, quoi. Ça doit se mériter un petit peu. Et du coup, on peut démanteler 35 runes. Et il me reste déjà plus que 2 minutes 50. Oh là là. Ouf. Oh, elles m'ont fait peur. Oh, elles m'ont saisi. Il y en a encore une. Hein. En tout cas, l'épée qui brille dans le noir, c'est tellement pratique pour le combat. Oh, flasque de survie là-bas. Je venais d'en utiliser une. C'est parfait. Ouais, l'épée qui fait de la lumière, c'est vraiment très très pratique dans les combats où la luminosité n'est pas très forte. Ah mince! Non, c'est bon. Je voulais voir si cette cheminée emmenait quelque part, mais... Non, ici on a été... Où est-ce qu'on n'a pas été? Par là. On n'a pas été au-dessus. Ah, j'arrête pas de tomber. Oui, tout ça, on a fait. Est-ce qu'il y a moyen de grimper au-dessus? Arrête de glisser, s'il te plaît. Merci. Oh, mais il y avait un grappin. Et il me reste 50 secondes, ça sent pas bon. Ah, voilà. On est sorti. Ouf. Je me disais bien que si j'allais un petit peu plus vers le haut, je devrais sortir de la brume. On a trouvé notre raccourci. Ah oui, j'avais pas vu qu'on pouvait. Il faut vraiment faire gaffe à bien regarder au-dessus. Au-dessus de soi. Non, bah écoutez, on va aller voir les ruines de l'église. Hop. Quoique, est-ce qu'on commence par l'église? Non, on va terminer par l'église. Et je me fais tirer dessus. C'est pas grave. On regardera l'église en dernier. Donc là, c'est le petit chemin classique. Si on voulait monter par ici dans le village. On peut dire que c'est un petit village. Toc, toc, toc. Oh là là. Même pas besoin de prendre la torche. Oh, du miel.
des clous. Un crochet. Eh ben. Plein de trucs utiles dans sa maison, dis donc. Là. Rien d'intéressant. Voilà, désolé de vous dépouiller, mais écoutez, vous êtes mort, moi je suis vivant. Donc ça me servira plus qu'à vous. Vas-y, si je détruis le mur. Hein. En espérant que ça prenne pas 1000 ans. Voilà, je voulais juste m'amuser à faire ça, c'est tout. Ça servait à rien. Après, si ça se trouve, il y a des vraies cachettes derrière des murs. Et tout, et tout. Oh, le coffre derrière la porte. Les chancilex. Ok. Ça devait être leur salle de bain avec leur toilette. Ah. Notre hache. Voilà. On commence par le loot. Encore une fasque de survie. Comment ça, le sac à dos est plein? Mais ça s'empile pas avec... Ah, peut-être que 5, c'est la limite. Ouais, si je supprime... Faisons un petit peu de place. Supprimer. Supprimer. Voilà, on supprime tout ça. Ah oui, 5, c'est la limite, ça, c'est pas beaucoup. Hein. Mon frère, tout espoir semble perdu pour moi. L'infirmière Hélène me dit qu'il n'y a rien d'autre à faire que de me reposer, mais je ne le veux pas. Le peuple des Rex exalté, il parle des anciens comme s'il pouvait faire quelque chose. Vous vous souvenez de l'obélisque, là où nous jouions quand nous étions enfants? Je m'y rendrai, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être un remède pour moi. Ne me suivez pas, vous ne pouvez pas m'arrêter. Ah, en fait, on est en train de lire l'histoire à l'envers, là, parce que l'obélisque, on y vient. Et c'était du coup son cadavre qu'on a trouvé. À côté de l'obélisque, dans les journaux, hein. Tradition. C'était quoi son nom déjà? C'était mon ultime voyage. Tac, 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 journal, tradition. Ouais, il nous manque des pages, hein. Il nous manque des pages. Mon ultime voyage. Ah bah on a tout. Donc ça, c'est ce qu'on vient de lire. Enfant, nous faisions semblant de les lire, mais aujourd'hui les obélisques cachent leur vérité. J'ai été stupide de penser que je pourrais trouver une solution à mes problèmes ici. Personne n'entend mes prières, et je me sens si fatigué. J'aimerais que tu sois à mes côtés, mon frère. Pardonne-moi, Vettel. Donc ça, c'était la lettre qui se trouvait à côté de l'obélisque. Ok, donc apparemment, le gars, il est tombé, donc Vettel, il est tombé malade. Il est parti à l'obélisque pour voir s'il y aurait peut-être un remède, sauf que il est mort. Et du coup, c'est quoi la page 3? Les bottes d'un vagabond ont été retrouvées à côté d'un corps, apparemment fabriqué à la main il y a longtemps, usé par le temps, ils tiennent encore le coup. D'accord, donc ça, c'était les bottes, en effet, qu'on avait trouvées sur son cadavre. Mais c'était des bottes nulles. Elles avaient, je sais plus, peut-être 2 points d'armure. Un petit peu ridicule, quoi. Alors, pas de truc pour mon grappin. Oh, mais ils ont un joli petit jardin. Plein de champignons. Okay. Alors, comment je fais si je veux monter? Comme ça. Et si on va sur le toit? Est-ce qu'il y a un truc sur le toit? Je crois qu'il n'y a rien sur le toit. Ok. Eh bien voilà ça. Ah. Petite balise de résurrection. Ok, bah du coup ça nous fait une petite histoire
complète. On a eu les trois pages. Des flèches, encore des boules de feu. On dirait qu'il n'y a rien de caché sur le toit. Donc on fera la petite église en dernier. On va d'abord explorer le village. Oula. Ça glisse par ici. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? On va reprendre notre épée qui brille dans le noir. C'est juste une grange. Apparemment, il n'y a rien de très intéressant. Tiens, je me demande si je pose un sanctuaire de la flamme ici. Est-ce que je peux récupérer les maisons? Et avoir du coup mon petit potager déjà fait et tout et tout. Oh là là, oh des tomates. Hein. Et il y a quelque chose qui brille, donc encore une note, on va y aller. Pénétrons par le sous-sol. Par contre, c'est triste la musique. Il ne dure pas longtemps. Parce qu'en plus, elle est chouette. Elle est agréable, la musique du jeu. Mais on l'entend pas assez. C'est quoi ça? La cheminée? Par contre, c'est vrai que la torche, elle éclaire quand même un petit peu mieux. Ça, c'est pour monter à l'étage. Mais... Oh, le coffre. J'ai vu le coffre. Non. Si, voilà. Je crois que le jeu nous dit de jouer un petit peu magie, là. On a quand même looté un bâton légendaire, plein de sorts. Est-ce que l'épée... Ouais, la torche éclaire quand même mieux. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, sa cheminée est bien plus classe que la mienne. Hein. Ah, la note. Je l'ai enterré profondément. Ils sont encore venus en masse hier, des païens brûlés par le soleil. Ils se tordent et se mutilent le corps à chaque fois qu'ils se prosternent devant leurs dieux, leurs idoles, les anciens. Trop de bouches à nourrir. Ils ne demandent que l'aumône. Je les renverrai aux Rex exaltés. Ils ne me tromperont pas. J'ai enterré mon trésor dans le terrain clôturé sous le petit abri non loin d'ici. Ils ne le trouveront pas quand il sera caché sous la boue. Ce soir, je dormirai profondément. Oh! Oh, le gars qui cache son trésor. Parce qu'il y a les SDF qui se sont ramenés juste pour demander un petit peu de pain. Et lui, le radin, il cache tout. On va ouvrir. Voilà. Je suis venu ici, oui. Allons à l'étage. Ramassons d'abord cette petite ficelle. Et ça ne fait rien du tout de dormir. Du moins pour l'instant. J'imagine que... Quand le jeu sortira en accès anticipé, le fait de dormir dans le lit fera passer le temps, j'imagine. On a vu, il y a une échelle pour grimper. Et là, pas de coffre. Tiens, je suis étonné. Et ici... De la fourrure. Une seule fourrure. Là, nous avons une... Ah, je voulais pas tomber. Remontons. Où est-ce que j'étais? J'étais ici, oui. Y a plus rien. Ici, je suis venu. Oui, c'est l'échelle. On veut prendre l'échelle.
On peut pas monter, on peut pas sprinter en prenant les échelles. Et il y a un trou et un coffre. Petit pansement. Pourquoi pas. Ok. Et ok. Et on dirait qu'il n'y a rien du tout sur le toit. Aïe, j'avais pas vu qu'il y avait un trou. Prenons. On vient de looter un pansement. Profitons-en. Moi, je... Ah oui, j'ai vraiment visé le trou. Moi, je voulais juste monter sur le toit. J'ai perdu les trois quarts de ma life avec ce saut. Très bien. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant, enfin j'ai rien vu. Ah. Non. Juste une petite grange, c'est tout. Et par contre, le coffre. Le coffre, on a... Ah mais voilà, il y a des ennemis. Les ennemis se promènent. C'est vrai qu'il nous avait parlé du coffre caché. Par contre, ma torche qui est bientôt cassée. On dirait encore une grange, mais sûrement là où ils mettaient leurs animaux. Alors, pourquoi est-ce que tu m'emmènes à... Ah, pour le coffre. Bien sûr. Avec une petite potion de soin. Est-ce que je peux encore monter plus haut? Non. Ça sert à rien. Et donc, le coffre, il se trouve ici. Voilà, on peut même le voir qui dépasse tellement qu'il est bien caché. Et c'est un coffre goldé pour juste un arc level rare. On va s'empresser de détruire, démanteler. Enfin, j'ai déjà 131 runes, quoi. Ok, eh bien, c'est parti. Allons voir l'église. Et déjà, il y a le comité d'accueil. Une nouvelle saison. Les nouveaux arrivants n'ont pas perdu de temps pour creuser le sol et construire quelque chose. Leur détermination est fanatique, un sanctuaire de la flamme, explique Salim. Certaines nuits, je me suis attardé près de la caravane. Salim insiste. Autour du feu, ils parlent de leur maison, des sables, de la ruine qui s'installe, tant de chagrin. Salim dit que je suis... comme une jonquille, le premier signe du printemps. C'est un imbécile, mais un imbécile doux. Oh, le coffre. Ok, ok. Et, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Par contre, on voit rien. Tout à l'heure, on avait trouvé une note qui nous parlait de bloc de pierre vieilli. Et ils sont là, dans le clocher de l'église. Hop. On prend tout. Et c'est avec ces blocs que j'ai construit une partie de ma maison. En tout cas dans la vidéo entraînement construction du miel. Ah, ma torche est bientôt cassée. Est-ce que nous avons autre chose d'intéressant à trouver sur le toit?
Je n'ai pas l'impression. Du coup, on va descendre. Et la première fois que j'étais venu ici, je me suis dit, oh, c'est suspect. Il y a sûrement moyen de casser ces planches pour passer en dessous. Ah zut, ma torche qui est cassée. En fait, j'avais juste pas vu qu'il y avait des escaliers. Tout simplement sur le côté. Est-ce que je peux me faire fibre de plante? Ah. Vas-y, il n'y a pas une plante juste à côté là que je peux ramasser? Non? Ah mais c'est bon, le jour s'est levé. Merci le jour. Par contre, ça change pas grand-chose ici vu qu'on est sous terre. Hein. Un pied dans la tombe. Nous en avons enterré un autre aujourd'hui, pauvres gens. Ils ont fait tout ce chemin à la recherche d'un répit pour ne trouver que des ruines et des déchets. Cette église ne tiendra pas, Hélène l'a dit. Le vent hurle, forge de nouveaux chemins dans nos salles chaque nuit. Notre toit a été déchiré par les tempêtes, et nous sommes trop occupés à soigner les gens de la caravane pour le réparer. Pourtant, nous devons rester. On a besoin de nous ici, et nous trouverons difficilement un abri ailleurs. Enterrer ces vagabonds à côté de reliques et d'artefacts ne me semble pas correct, mais Hélène a peut-être raison, peut-être que les temps anciens doivent faire place à de nouvelles coutumes et à de nouveaux rites. Ah! Des artefacts! Ah ah, ça m'intéresse! Par contre, on a vu, il y a de la brume. Et il y a des Billy. Je peux taper au travers. Hein. Ça c'est bien. Est-ce qu'avec mon arc, vous croyez que je peux, que la flèche peut traverser? J'ai pas l'impression. Hein. Et de l'autre côté, c'est pareil. Le coffre goldé. La foudre du berger 14 puissant. Et c'est ça l'artefact. D'accord. Et du coup, ça a ouvert les portes. Ah, mon épée, elle fait tellement mal maintenant qu'elle a été améliorée au niveau maximum. Et donc, ce sont juste des salles avec quelques billes. Vas-y, attaque-moi. Oh bah j'ai raté mon apparat parfait. Alors qu'il y a bien genre 3-4 secondes de frame. Et bah voilà, nous avons fini. Il me semble qu'il n'y avait plus rien d'autre d'intéressant à voir dans cette petite église. Je refais un tour vite fait. Parce que c'est vrai que l'épée est claire, mais quand même moins que la torche, donc on peut louper des choses, mais... Mais il me semble que c'est tout bon. Et ben voilà. On aura fait pas mal d'explorations, découvert pas mal d'endroits, amélioré une arme légendaire niveau max, qui tape un petit peu super fort, quand même, 22 points. 22 points de dégâts. Hop. Et ben voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, prochain objectif. Oui, de l'élixir, on l'a pas fait celui-là. Ouais, celui-là, il est validé. On a le petit V, celui-là non. Donc on ira le faire, on ira voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Peut-être aller à cette chapelle de la flamme.
Bon, après ici je n'ai pas encore poussé. Peut-être qu'on fera cette chapelle, on l'a déjà faite. Bon, prochain objectif, de toute façon, prochaine vidéo, c'est de partir dans cette direction-là et de faire vite fait un petit tour ici pour enlever ce brouillard. Voilà. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine, c'était Bradali, salut!